child is slowly taking. The violence comes in silence. Who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family. Le spectacle en live, ici même, dans la salle qu'on a surnommée la scène We Cook, mesdames, messieurs, la scène We Cook. Je sais pas s'ils vont l'adopter, là. Ben, le temps qu'ils nous commanditent, c'est la scène We Cook dans les studios d'Énergie. Allez sur le radioénergie.ca pour venir voir ça. Jam ton top 3, qui est animé par moi-même, Dave Morgan, avec un public en délire. Il y a des habitués dans la salle, je crois, oui! Des dizaines de personnes à perte de vue. À perte de vue, des dizaines et des dizaines. Faites du bruit, vous 30! Ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Qui compte, j'adore. La qualité. On peut nous écouter, je le rappelle, oui, à la radio les jeudis à 19h, mais il y a des exclusivités sur la balado du iHeart Radio. Toujours la difficulté à dire ça. iHeart Radio. Et notre chaîne YouTube aussi pour nous voir. Suis du cul quand on fait des tunes qu'on n'a pas assez répétées. Parce que c'est un peu ça, Jam, ton top 3. On sait beaucoup. C'est du trapèze sans filet. Et des fois, il y a des petites surprises qu'on coupe à la radio, mais que tu peux voir sur YouTube, puis sur la balado. C'est pas malade! Léa, donne mes potes à nous. Donc, Jam, ton top 3, c'est des musiciens extraordinaires. C'est des invités flamboyants. Et c'est un animateur qui a un dictionnaire d'adjectifs qualificatifs. Yes! Et c'est aussi plein de choses qui font en sorte que ça a lieu. On a notre fameux commanditaire, oui, le WeCook, que je leur ai fait leur jingle. Voulez-vous le réentendre? Il a fait ça sur le fly, certain. Oui, 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 là, je l'ai fait. C'est la deuxième fois que je l'essaye avec vous, s'il vous plaît. Mi, 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 mi. Oui, 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 cook, cook, cook! C'est un grand succès. Ça, c'est... Au 6-12-12, les gens redemandent ce grand classique. Mais là, tout ça aussi a lieu, pas juste grâce à WeCook, mais aussi mon Ben derrière moi, que j'aimerais vous présenter ce soir, avec une petite ambiance que j'aime, toujours une thématique un peu spéciale. J'aimerais ça sur un thème familial pour cette présentation-là, ce soir. Peut-être qu'on pourrait prendre la guitare, s'il te plaît. Jay, t'es ta guitare, là, qui est comme un piano électrique, là. Jay Dallaire, qu'on peut applaudir, qui est multi-instrumentiste. J'abuse de ce gars-là. Le piano, guitare, électrique. C'est un Casio, comment on appelle ça, Jay? C'est un guitar synth, un synth guitar. Merci, Will Murphy. Guitar... C'est un piano-guitare. Très à la mode, là, dans les fins 80, début 90. Ça a un son incroyable, je sais pas si elle peut jouer. OK. Thématique show d'enfant, là, familial, quelque chose du genre. Parle-moi ça, mon beau Jay. T'es capable, on l'applaudit. Pour nous divertir ce soir, mon Ben, que je considère comme ma famille, et ce, pas juste parce que je les oublie, j'aime m'appeler papa en coulisses, oh non! Je vous les présente, on commence par la mère monoparentale. Oui,
Parce que quand le petit Morgan fait des dégâts avec sa guitare, c'est toujours lui qui est là pour essuyer. On l'aime d'amour, le guitariste Jérémy Dallaire! Celui qu'il faut pas s'attacher trop. Faut pas s'attacher trop à lui dans cette famille-là, parce qu'il remplace notre bassiste habituel. C'est un peu comme, tu sais, quand ta cousine elle vient à Noël avec un nouveau gars qui est un rebound que tu reverras jamais. Mais c'est un peu ça. Notre bassiste remplaçant, Guillaume Paquet! La prochaine, c'est celle qui nous gâte comme une bonne marraine, là, puisqu'elle nous fait des cadeaux avec sa belle voix, sans plus finir à nous gâte. À chaque épisode, l'attachante Eliane Kessy! Oh, merci, petit loup! La prochaine, c'est notre mononcle sous! Le mononcle sous de la gang! Dans le sens qu'on comprend pas toujours ce qu'il dit parce qu'il est loin derrière avec son drum. On l'aime, on l'adore, le bien-aimé Sacha Bourg! Le mononcle sous, je mettrais Will là-dessus. Moi aussi, je pensais que c'était Will, là. Non, non. On finit. Non, je vais prendre le mononcle. Le petit dernier. Oui. On entend encore notre chèque de la DPJ pour l'avoir à notre charge. Le petit bum avec son char bleu marin, Will Murphy! C'est la famille de ce soir à Jam Ton Top 3. Hey, c'était beau, ça. Merci d'être là, les copains. Et je taquine ce cher Guillaume qui fait deux épisodes avec nous. Guillaume Parquin, on peut l'applaudir. Merci. Yeah. C'est que PA est en ce moment en train de chanter avec King Melrose en Europe. Et d'ailleurs, avec Anthony Beaulieu, notre saxophoniste habituel, ils font chier. Ils sont partis en Europe, sont sur jet lag. On leur souhaite de revenir maganer de là avec la COVID. Mais non, c'est des blagues. Mais non, j'ai pas dit ça. Je suis content pour eux qu'ils vivent le rock'n'roll ailleurs. Ouais. En parlant de la COVID, rapidement, tantôt, je pense que c'est avec Guillaume que je parlais de ça dans les loges. Il me semble que je prendrais un autre mois de coque de break, moi. Ça ferait du bien, non? C'est juste moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Genre de pandémie, mais tu sais que personne meurt, qu'on est juste bien. OK, tu veux qu'on retourne dans cette marde-là? Puis juste un mois, mais une pandémie, où est-ce que, à cause que tu sais, mettons, tu peux prendre des vacances pendant un mois, mais tu sais que quand ça revient, ouais. Ce qui était le fun de la pandémie, c'est que tu étais comme, ah, oh, mais là, je peux vraiment faire ce que je veux, à cause que j'ai pas de quoi préparer. C'est qu'on faisait puis rien. Puis ce mindset-là, autant que j'avais peur, puis que je désinfectais mes sacs de Doritos. J'étais bien. On s'y est attaché. J'étais bien dans ce mindset-là. Moi, je me rappelle, toi puis moi, on se faisait des petits FaceTime. D'ailleurs, regarde, je joue de la guitare. Ben oui. Je joue de la guitare, puis le gouvernement me paye parce que je suis un artiste. Puis ça me manque, on dirait. Je comprends. Mais moi, je l'ai revécu, ça, à Big Brother Célébrité. Fait que j'en ai plein, mon collègue de cul. C'était plus peint que la PCU, ça, c'est sûr. Oui, oui, ça, clairement, ça. Oui, je l'ai eu. Le beau chèque. Mais aussi, c'est fou comme pendant la pandémie, moi, je me disais, elle m'a devenu meilleur à la guitare. Hein, j'ai juste ça à faire, mais après, collé que je me suis pas amélioré. Fait que moi, pour moi, fuck la pandémie. Je suis content d'être avec vous autres. Ce qui accroche, c'est pas le mot pandémie, mais si je dis vacances. Ouais! Tu vois, j'ai pas étudié en marketing, mais j'ai la twist. Alors, on va accueillir notre invité de la soirée. Je suis bien content de la recevoir. Notre invité, elle a atteint 4 de ses 5 buts dans sa carrière, soit d'être comédienne, chanteuse, chroniqueuse et animatrice. Mais là, elle a atteint son 5e but, qui est de venir à Jam Ton Top 3. Hein? 5e but, ouais, la cage au sport va donner 8 ailes gratos. On accueille chaleureusement Julie Ringuette! Bienvenue, Mathieu! Je suis contente de savoir que c'était sur ma to-do list, je m'en rappelais plus. C'est ton chum, Pascal Morissette, qui m'a dit ça. Je le remémoré. Je sais pas s'il mentait ou si c'était la vérité, mais merci d'être là, Mathieu. Ah, je suis vraiment contente parce que ouais. Là, moi, c'est une année musique. On a eu plein de rendez-vous manqués, puis là, j'étais comme, OK, je suis là, j'ai le temps, puis ça me tentait d'avoir une soirée sexy. Ah, j'ai ouais, donc hein? Choisi des tunes sexy. C'est, ouais. C'est un curieux hasard, là. Je sais pas si c'est en lien avec le côté cochon de la soirée. Mais Guillaume Paquet, que tu connais, notre remplaçant bassiste, c'est un hasard qu'il soit là en même temps que toi, puis c'est quelqu'un que tu connais. Ton chum travaille avec chez Feedback Productions, pour les gens qui connaissent pas. C'est ça, les humoristes, on a des gérants. Pascal, ton chum, ben, il travaille souvent avec ce chum. Non, mais en fait, j'ai fait le saut quand j'ai vu le House Band, parce que je connais Guillaume, puis la dernière fois que je l'ai vu, j'étais en bikini sur un bateau, puis on buvait de la bière, puis on se garochait dans le fleuve. Mais aussi, Sacha Bourque, que je connais, qui est ton drummer, je savais même pas qu'il jouait. Te souviens-tu la dernière fois qu'on s'est vu? Oui, t'as pris des photos pour moi. Ouais, qu'est-ce que tu m'as dit? Je m'en rappelle plus. Attends, ouais, tu m'as dit, rends-toi pas là, prends des vacances.
C'est sûr, je relève d'un burn-out, la gang. C'est quoi la question? C'est sûr que j'étais avec mon Kodak. Moi, j'ai eu des périodes un petit peu plus sombres. Sacha, repose-toi. Repose-toi. Prends des vacances. Oui. Tu vas voir, tu vas te remercier. Hey, c'est la dernière fois qu'on s'est vu. Sérieux? J'ai il n'a pas pris de vacances depuis. Il a écouté zéro de ça. Ah, mais faut dire que tu pars à New York demain. Enfin, tu prends tes vacances. OK, ça m'inspire une toune. New York! Yeah! Ouais, oui, coupable. Chanteur. À New York demain. C'est pour ça la chanson New York. Fait que le beau Sacha est là. Je sais pas si tu connaissais Jay, toute la gang. On est bien heureux de te recevoir. Non, mais là, on s'est présenté. En fait, nous, on a fait partie du même band cover. Alors, si vous savez pas ce que c'est un band cover. Can-Am, baby. Can-Am, c'est ça. Mais ça, c'est un band que moi, j'avais parti avec une gang de chums. De Trois-Rivières, c'est ça? De Montréal. Okay. Puis, on se faisait engager, mettons, dans des soirées, dans des parties privées. Puis, j'avais un costume en glitter, OK? Dont j'ai hérité. Oui. Wow. Ah, c'est toi qui l'as maintenant? Puis là, tantôt, elle m'a dit que c'est ça, elle faisait partie de cette gang-là, elle aussi, à son tour. Fait que tu vois... Ouais, pré-pandémie, j'ai pris le relais. C'est quand même bien le fun. Ben du glitter, ben de la danse. Il fallait aussi que tu aies une bonne voix comme Julie, mais aussi que tu fites dans son jacket. C'était parfait. Mais je suis tellement fan depuis la répète, il y a 5 minutes. Là. Ouais, ouais. Elle a tout cassé. Ben oui. Ah, t'as une tabarouette de voix. Ben là, ça me tente de m'éclater, ça me tente de rocker. Puis tout l'été, je pensais à Waitress, puis j'avais une toune. Très lyrique, très aiguë, très soprano. Faut là. Le dire, là, t'es dans Waitress. J'étais dans Waitress cet été. Tu fais aller la voix en tabarouette. C'est ça. Puis je faisais très, très, très attention à ma voix. Fait que j'ai pas bu de l'été. J'ai pas crié de l'été après mes enfants. Puis là, à soir, je me défends! Ah ouais! À soir, on chante du rock, on crie, puis on boit de la bière. Puis on ça chante en même temps. Fort, puis on boit du vin en même temps. Voilà. Le but, c'est de sortir du cycle des acouphènes. C'est ça, le ben, but. Moi, je les ai rien de moins que ça, que de cracher du sang demain matin. Dave, il a parlé de Waitress. Je connais pas cette comédie musicale-là. Waitress. Comment Waitress. Ça? Waitress. Ah, parce que moi, Waitress. Je connais Waitress. Mais Waitress. Je l'ai dit comme ma mère. Ma mère a dit Waitress. C'était une Waitress. Mais moi, j'ai pas eu la chance de voir Waitress. Yes, là tu l'as, mon expérience. Ça, oui. Là, dans ma to-do list, j'ai coché une solide coche. Ben, vraiment? Parce que j'ai étudié en musique il y a 20 ans, OK? J'ai fini en 2005. Puis pendant, genre, 18 ans, je me suis fait refuser à chacune de mes auditions de comédie musicale. Et c'est la première fois que je décrochais un rôle 18 ans plus tard. Bravo! Faut pas... Croyez en vos rêves, la gang! Ben, sérieux, oui! Puis non vrai, seulement... Never give up! Never give up! Puis non seulement j'ai décroché ce rôle-là, mais c'est Broadway qui m'a choisi dans ta face juste pour rire! Oh, wow! Oui! Ben oui, c'est Broadway qui sont venus à Montréal. Ils nous ont fait faire des auditions et c'est eux qui avaient le dernier mot. Puis moi, à chaque année, je me présentais devant Juste pour rire d'une comédie musicale. Puis c'était rendu un running gag. J'étais comme, je suis ici pour rien, moi, là. Puis là, tu sais. Mais donc, c'est Broadway qui m'a choisi. Fait que moi, c'est double coche, là. C'est le bon rôle qui t'attendait. T'as tellement la même énergie que la fille qui a fait le rôle originalement. Puis c'était pour toi. On l'attend le bon. Fait que si tu cherches un chum, tu peux attendre longtemps, ma chum, mais tu vas le trouver un moment donné, je te le dis. Il y a du fan ici. Eliane est une fan finie aussi là, de comédie musicale. Ben oui. Et as-tu vu beaucoup de comédie musicale? Ben oui. Ben, en fait, tout ce qui a été fait à Montréal, je l'ai vu. Okay. Puis à chaque fois, j'étais dans la salle. Puis tu sais, j'étais pas amère de ça. Mais c'est sûr, j'avais un petit point dans les airs. Colique! Entre deux tours, on a crié tabarnak! Colique! J'ai encore passé à côté. Un peu d'amertume. Un petit peu, non, mais à chaque fois, je me disais, moi, je me vois, je fais de la visualisation. Puis à un moment donné, c'est moi qui vais être sur la scène du Saint-Denis. Puis d'ailleurs, c'était mon premier Saint-Denis cet été. Colique! Ouais. OK! Ouais. Ah, il te manquait vraiment juste jam ton top 3 dans ta to-do list, là. Vraiment? Il manquait juste vous autres, là. Ah, mais je suis content de savoir que tu as réalisé tout ça. Puis que moi, pour vrai, je le sais, Julie, que tu chantes. Je savais que t'avais fait Waitress. Mais pour moi, je te connais aussi par Momo. On se connaît, on est des amis en commun. Je t'ai vu aussi dans Mégantic. Je t'ai vu jouer. Tu m'as fait brailler là-dedans. Mais cette voix-là que tu as ce soir, je pense que ça va en surprendre plus d'un. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui se déplace dans des comédies musicales. Puis allez-y, prenez le temps. Ça va à peine. Mais là, j'espère qu'avec ce qu'on va chanter de rock ici ce soir, on va aller chercher un autre clientèle. On va faire, je vais aller voir ça, ces shows-là. Parce qu'il n'en manque pas, là, des comédies musicales. Il y en a plein. Mais je pense que des fois, les gens choquent. Ils ont peur d'aller voir. Moi, le premier, là, j'ai été ce gars-là qui était voir Moulin Rouge. Ouais. J'étais pas sûr. Puis finalement, j'ai capoté. Mais oui, mais c'était en fait, malade, c'est du talent à l'état pur. Là. À l'état vraiment? Pur, mon Dieu, je suis tombée. À l'état pur. À l'état pur. Mais tu sais, tu chantes, tu joues, tu danses. Il y a des filles qui font la split en faisant des contre-dos. Tu sais, comme... Vas-tu nous faire une split à soir, tu me dis, là? Non, ça, je suis pas capable. Ben, une malheureusement. Une pirouette, quelque chose? Une roue. Tu peux-tu nous faire une roue? Non, mais je peux te courir 10 km en bas d'une heure.
Bah, c'est un peu achalant, le studio est petit quand même. Moi, juste faire mes trois tunes, c'est correct? Ouais. Ah, ben correct. Ce soir, on joue du France d'amour. On joue du Elvis, mais pas du Elvis, et du Marie-Carmen. Une question que je pose toujours, entre Elvis, Marie-Carmen et France d'amour, c'est quoi ton fuck, marry, kill? Let's go! Ben là, c'est très facile. Ah oui? Ben oui. Ah, moi, j'aurais de la difficulté. Attends. Toute la bande, on Elvis? De quoi tu parles? Ben, c'est une toune d'Elvis, la toune qu'on joue, Trouble. C'est une toune d'Elvis à la base. Ça, ben oui. Mais oui. Mais tu sais, quand on apprend une toune, d'habitude, on fait des recherches, les boys. Mais, mais quand tu m'as dit que tu as le droit de choisir trois chansons, ouais. J'étais comme, c'est sûr, je fais une toune d'Elvis. Ouais. Parce que ça, c'est, ça fait partie d'une comédie musicale, cette chanson-là aussi, Trouble. Fait qu'on connaît la version d'Elvis, pour ceux qui la connaissent. Mais nous, cette version-là, chantée par deux chicks, c'est vraiment sur YouTube. Smokey Joe's dans Smokey Joe's Café, qui est une comédie musicale. Ouais, puis ils ont repris toute l'œuvre de Elvis, puis ils en ont fait une comédie musicale, puis c'est chanté par deux femmes extraordinaires. C'est pour ça, vous comprenez les gars, c'est une comédie musicale inspirée d'Elvis. Elvis, c'est toune, c'est toune. Je suis là, j'écoute. Ah, oh, la vie des fois, hein. Vous écoutez jamais ce que je dis. Mais Elvis, ouais. Marie-Carmen, France d'amour, faut, moi j'aime savoir ton fuck, marry, kill. On dédie ça là, à Serge Postigo, c'est tout. Hey, mais attends, j'allais dire, c'est super simple parce que c'est sûr que je fourre Elvis. Ouais. Je vais dire, je vais me faire casser la gueule pour ça. Ça a été le fantasme de toutes les femmes sur des décennies. À quelle époque, par contre? Moi, il y a une la époque belle que époque. Je suis moins partant. La non, belle époque. La belle époque. Wow, 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 il était aimable aussi quand il. Oui, oui, ouais, non, non, il n'y a rien comme ça. Bon, mais d'après moi, il. Il devait pas être performant. Il donnait une moyenne. Sa go était moins bonne là, à la fin, là, quand il fallait être 4 pour le rentrer dans son compte. Si tu me donnes le choix avant pilule ou après pilule, je choisis avant pilule. Avant pilule. Okay, smart. C'est, on parle de physique, là. Personne, la personnalité. Là, ben non, hey. Ils sont toutes de même, les boys. Mais je comprends ton choix, le beau Elvis. Là. Non, mais je pensais que c'était bien simple, mais je peux pas tuer ni France d'amour ni Marie-Carmen, fait que je vais tuer Elvis finalement. Ah oui? Ouais. Ah, ben, c'est déjà fait en plus. C'est... Non, mais c'est ça, c'est facile. Fait que je pense que je vais fourrer France d'amour puis je vais marier Marie-Carmen. Oh. Bon, ce sera pas une vie de tout repos. Hein? Non, non, non. Mais on va commencer avec celui que... que j'ai tué. Ça, on va commencer avec celui que t'as tué. OK. Qui est, je le répète, une version un peu blues qu'on s'est faite, mais inspirée de... J'oublie tout le temps, c'est Smokey Joe's Café. Smokey Joe's Café. Pour vrai, c'est vraiment deux filles avec une sacrée voix qui ont fait ça. Et là, ça va être seulement toi, accompagné d'Eliane, oh, notre à peine, version. À peine. À peine. Ça va être quoi après? Le droit de vote? Hey, puis lâchez-vous lousse, là. C'est la soirée sexy à soir. Ah ouais. Ça vous tente de vous lever, là? Moi, des petits tabourets, là, garochez ça dans le corridor. Levez-vous, puis on peut danser puis se coller, là. Alors, on fait du bruit pour Julie Ringuette à Jam Ton Top 3 pour sa première chanson, Trouble, notre version blues à Énergie partout au Québec, la gang! You're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green eye mountain jack. Cause I'm evil. My middle name is Misery. I'll never look for trouble, but I never ran. I don't take no kind of mess from no kind of man. I'm only made of some flesh, blood, and bones. If you wanna stir a rumble, don't you try to do it alone, cause I'm evil. My middle name is Misery. Oh, hey.
Laboratoire! Ah oui, on le rappelle, on est à Énergie les jeudis à 19h, mais vous pouvez nous entendre sur la balado du iHeart Radio et sur notre chaîne YouTube. Faites, pour vrai, bravo encore à cette voix. C'était complètement. Hot? Pour vrai, c'était haut les notes, là. Bonne main d'applaudissement. J'ai chaud. Pour vrai, c'était. Je pense que. On n'a pas de verre de cristal, mais je suis pas mal sûr que j'ai vu un verre réutilisable craqué, là. Je sais pas si craquer du plastique, c'est aussi hot que péter du cristal, là, mais t'es allé jusque-là, ma chum. C'était bien cool. Hey, j'ai chaud, là. Ben, tu veux-tu prendre une petite gorgée de bière? T'as amené ta grosse tagine, ta grosse gourde, là, de 80 litres. J'avais peur que tu dises, tu veux-tu enlever un morceau? Non, 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 Dave, non. Va pas là, va pas là. Ah! Oh. Non, 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 je vais te laisser te réhydrater ce gosier-là. C'est mérité fortement, ma chum. Hey, moi, je rêvais, là, d'aller faire un show au bistrot à Jojo, mais tu sais, j'ai pas le profil, comprends-tu? J'ai pas le casting du bistrot à Jojo. Moi, j'aimerais ça être Aretha Franklin, arriver là, boire du whisky, chanter ses petits tabourets, une clope dans la bouche. Mais j'ai pas le profil. Mais en même temps, t'as quelque chose de margeau là, des années 90. Là. J'ai tout appris d'elle. C'est sûr. J'ai tout appris d'elle, de Marie-Carmen et de Diane Dufresne. C'est genre des inspirations, là. Ah ben, j'ai appris à chanter avec eux autres. Tu sais, tout le monde tripait genre sur Céline. Moi, j'étais team Diane. Mais est-ce que, ben mettons, moi je me rappelle, c'est plus, mettons, ma mère, là, on a à peu près le même âge, là. C'est plus ma mère qui tripait cette musique-là. T'étais-tu toute seule dans ta classe à triper sur ces chanteuses-là à cette époque-là? Je sais qu'ils sortaient quand même encore beaucoup de hits, là. Ouais, mais quand toutes les filles tripaient ces Spice Girls, là, moi j'avais pas rapport, là, avec genre Marjo puis Provocante. T'étais puis, zéro Baby Spice, là? Non, 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 non. Moi je fais du gros rock, là, puis je fumais des. Tu fumais quoi? Des poches de cigarettes ramassées à terre parce que j'avais pas l'âge de m'en acheter. Ah, tu voulais être une rocker! Je suis une ancienne, j'aurais pu mal finir, la gang. J'aurais pu mal finir. Trifluvienne en plus. Ouais. La trifluvienne qui veut devenir Marjo qui fume des botches. C'est sûr que. On peut pas croire qu'elle va être choisie par Broadway à un moment donné, là. C'est sûr, c'est deux mondes, là. C'est t'sais? Sûr. Ouais. Ah, mais. T'as fait aussi un band de cover que tu nous as envoyé pour ta tune Trouble. Ce band-là, c'est un band de Trois-Rivières, si tu m'avais jasé. Ben moi, c'est comme des mes vieux amis, chums. Non, mais toutes mes amies de Trois-Rivières avec qui je faisais secondaire en spectacle, cégep en spectacle, c'est rendu des big shots en musique. Okay. Puis je me vante toujours parce que mon ami Guillaume Marchand, qui était mon petit claviériste de secondaire 3 à Trois-Rivières, s'est rendu le claviériste de Céline Dion. Puis il y a plusieurs gars comme ça que, tu sais, je suis comme, OK, ben d'ailleurs, quand Céline est venue au Centre Bell, moi, je voyais mon ami de Trois-Rivières, Guillaume, sur la scène, puis après ça, il m'a dit, tu veux-tu venir? Puis j'étais comme, oh, mon Dieu! Ah, ouais! D'un coup que je rencontre Céline, puis que mon accent sort, mais le gros elle accent. Elle peut-être compris, parce qu'elle l'a eu déjà. Je suis vraiment contente de te voir, Céline! L'as-tu rencontré ou focal? Non, pas pantoute. Ah, c'est triste. J'ai pas couru après, parce que je pense que je me serais évanouie. Je comprends ce qu'on dit. Tu serais peut-être allé loin, là, comme Guillaume, si tu n'avais pas fumé des botches à terre! C'est sûr, c'est sûr. On fait des choix dans la vie, hein? Ta deuxième chanson, il va avec quelqu'un que tu as mentionné, là, qui t'a bien inspiré, cette chère Marie-Carmen. Ben oui, mais Marie-Carmen, c'est le premier show que j'ai vu de ma vie, spectacle de musique. J'étais à Trois-Rivières, à la salle Giotonio Thompson. Mm-hmm. Puis c'était la période L'Aigle Noir, tout ça, entre l'ombre et la lumière. Puis elle avait gagné un Félix, le Félix d'interprète de l'année. Puis elle était descendue dans la salle, elle se promenait dans les allées, puis on touchait son trophée. Fait que moi, je pense que j'avais genre 8-9 ans. J'ai touché son Félix d'interprète de l'année. Elle faisait des shows, puis elle traînait le Félix. Oui. Elle braguait. Elle faisait. Mais non, mais c'est le public qui avait voté pour elle, l'interprète de l'année, puis elle voulait nous remercier. Fait que ah, moi, je comprends. C'est la seule fois de ma vie que j'ai eu un trophée. Mais en même temps, c'est hot, mais une chance que. Là, je comprends parce que c'est le public qui a voté oui, oui. À part ce trophée, mais il y a un peu un gros brag là-dedans de toucher mon trophée. Je trouvais ça tellement drôle. Mais nous imaginez, mettons, nous autres en humour, faire un show du monde. Durant le show, passez-vous mon Olivier. Mais pour vrai, c'est un moment. Mais humiliable. Malheureusement, personne n'a gagné un ici, un Olivier. Monsieur Sacha Bouc. Sacha, t'as dit. Non, non, mais non, pas en tout. C'est un Gémeaux. C'est un Gémeaux. C'est un Gémeaux. Silly me. Ça compte pas. Ma grand-mère a fait de la figuration, puis elle en a eu un Gémeaux, là. C'est bon. Hey, puis Marie-Carmen, elle commençait son show, je vais m'en rappeler toute ma vie. Il y avait un énorme cobra, OK? OK. Puis là, t'entendais la musique, là, la guitare, vous allez l'entendre. Puis là, maintenant, elle a donné un coup de pied dans son cobra. Il a fendu, puis elle est sortie de là. Puis moi, je me suis fait tatouer le cobra, sa bédaine. T'es-tu game de nous montrer le cobra, sa bédaine? Ben, j'ai eu deux enfants, il est moins beau, mais... Ah, le cobra, sa bédaine. Wow!
OK, c'est rock. Cobra, sa bédaine. Ça, c'est rock. Julie Ringuette, je pensais pas rock'n'roll demain. Il n'est pas la radio, mais il est malade. Il est malade. À radio, va falloir aller sur la chaîne YouTube pour voir le Cobra. Suivez-nous sur les réseaux. C'est quand même, il est proche de la fourche, le petit ksksks. Il y a de quoi de. Rattlesnake. Tu disais que c'est une soirée cochonne, puis à date, on remplit le mandat, là, la carte. Je te dis, j'aurais pu mal finir. Est-ce que j'ai besoin de le répéter? OK, on répète. Elle fumait des botches, elle avait 12 ans à Trois-Rivières avec un petit cobra sur le bord de la fourche. Ça a quand même. Et j'ai fini par marier Pascal Morissette. Deux mondes! Deux mondes! Deux mondes! Ben, c'est ça, ta relation avec Pascal, côté musical, ça ressemble à quoi? Ah, oh, ben on chante tout le temps, on danse tout le temps. Est-ce que vous avez les mêmes goûts musicaux? Ou on est super inquiétants. Ouais. On aime, on peut chanter du Kathleen à tue-tête, on peut chanter du Aznavour, comme on peut chanter du Queen. C'est vraiment. Chantes-tu bien, Pascal Morissette? Oui. On devrait-tu l'inviter? Oui, absolument. Mais là, on va-tu se ramasser à chanter? J'ai l'impression que ça va être trop kitsch. Moi, je veux que ça rock s'il vient. Là. Il est capable. J'impose ça, moi, un peu. Là, il un faut peu de rock. Qu'il vous fasse les Backstreet Boys. Il est capable de faire le bend à lui tout seul. Il était écœurant, hein, pour vrai. Je pense qu'on en sait une, des Backstreet Boys. Il m'a charmé même. Pas ça, pas ça. Non, on l'aura faite pour lui. D'après moi, il va vous faire ça, puis voici les clés de Gérard Lenormand. Beau mix. On va y aller avec la toune que tu veux jouer de Marie-Carmen. J'aimerais ça que tu nous la présentes. Pourquoi ce choix-là? Ben, vous allez comprendre, c'est miel et venin. Donc, on a deux côtés, on a deux facettes. C'est là, très vous toi. Vous avez vu les deux miennes. Fait que, puis en ouais, hommage... parce que de l'autre côté, il y a le cobra d'un bord, il y a l'ange de l'autre. C'est ben ça, oui, t'es à toi. C'est sûr, je m'occupe de mes deux enfants, je suis une mère modèle. Mais Marie-Carmen, pour moi, ça reste une rockeuse ben oui. Incontournable. Alors, on part ça à Énergie avec Julie Ringuette, miel et venin de Marie-Carmen. Qu'est-ce qui te porte à croire que c'est parce que je me sens pas bien? Faut pas me trouver bizarre quand je reste à l'écart. Moi je m'efface quand j'en ai besoin. Découvre-moi ou montre-moi du doigt. Je te laisse le choix. Oui, j'ai des hauts et des bas. J'ai chaud quand c'est froid. Le feu et l'eau te donne le choix. D'un côté, y'a un ange à la peau blanche. Contre une folle qui danse, et moi je me balance. Entre miel et venin, un serpent dans son bras. Sur l'autre regard de Satan, il fait pas toujours noir dans mes coups de cafard. Dis-toi que ça passe quand tu vois plus rien. T'embrasse ou te mords, c'est pile ou face. Je suis miel et venin. Découvre-moi ou montre-moi du doigt. Je te laisse le choix. Quand j'ai des hauts, t'as des bas. Quand t'as chaud, moi j'ai froid. Le feu et l'eau me donne le choix. D'un côté, y'a un ange à la peau blanche. Contre le diable qui danse. Un ange à la peau blanche contre une femme qui danse. Et moi je me balance entre miel et venin. Un serpent dans une main. Sur l'autre
J'aime ton top 3! À Énergie partout au Québec! Come on! Wow! Ça, c'est... Par applaudissement, qui est plus miel? Moi, c'est plus miel, moi. J'aime le miel. Hey, c'est vraiment une bonne... Pour de vrai, je l'avais jamais entendu avant. Puis là, jugez-moi, soyez ce que... Hey, on est tous des individus. Non, c'est pas dans ses plus gros. Mais miel et venin et donne-toi sont écœurants. Mais écoute, je l'avais noté ici, là. Miel et venin, en donne-toi. 92, ça a vendu plus de 270 000 exemplaires au Québec. Ça, c'est quasiment la population de Longueuil. Ben, c'est moins de views que mon dernier TikTok, mais tu cas... mais le riff, man... Oh, oh yeah! Et hey, puis imagine, elle est dans c'est un cobra. C'est fou, hein? Ouais, révolutionnaire. Elle pète son cobra. C'était débile mental. Non, non, c'est cool. Mais Marie-Carmen, là, elle a des grosses tunes rock. Mais tout le monde se rappelle seulement de L'Aigle Noir. Mais elle a vraiment deux côtés, pour vrai. Puis elle est de retour. Et moi, je capote. Quand elle a fait son comeback, là, je capotais. Moi, j'ai de quoi à mentionner de, sur Carmen, là. On dirait qu'elle... J'aime ça. C'est le nom de ma grand-mère. Fait que là, on dirait que tu vas blaster ma grand-mère. Non, c'est que on dirait qu'elle a refait ses dents récemment. Ben lâche-la, elle a bien le droit. Elle a le droit, mais on dirait qu'elle zozote un peu quand elle chante avec ses nouvelles dents. Oh, comment elle est violente! Oh non, comme... ça là, ça, on va couper ça. Non, moi j'ai trouvé... Marie-Carmen, c'est une queen, on coupe. J'ai pas dit c'est pas vraiment une queen, c'est Marie-Carmen. Je peux-tu avoir un refill de blanc, s'il vous plaît? Absolument, on va te ramener du blanc. Moi, j'imite parfaitement Marie-Carmen, mais je veux pas le faire, non. Ah, c'est OK, si vous insistez. Ouais, imite Marie-Carmen, ah ouais! Fatigué, bien. Ah ouais, j'ai jamais eu besoin qu'on me tienne la main. Mais non, c'est pas ça. Voilà. Je suis pas bien. C'est ça ton imitation. Je suis pas bien. Allez, des frissons, c'est normal. J'ai des émotions. J'ai une c'est anecdote normal. De la mort, les gars. Okay? J'ai fait Zénith cette année à Radio-Canada. Puis, au rappel, t'as pas le choix des tunes. Puis là, c'était le monde qui choisissait. Puis là, ben, ils m'ont choisi Marie-Carmen. Mais personne ne sait que c'est mon idole de la vie, genre. Ouais. Fait que j'ai fait une de ses tunes. Et à la pause, elle a texté Véronique Cloutier pour dire « Tu diras bravo à Julie Ringuette. Oh. » Wow! Je capotais. J'ai pleuré sur mon petit banc. J'en doute pas. Allez, voyons donc Marie-Carmen qui m'a vu à TV chanter sa tune. C'était que... T'avais fait une tune de Marie-Carmen à Zénith puis une tune de France aussi. J'ai fait Vivante. T'as fait Vivante qu'on va faire aussi. Oui. Puis cette chanson-là de Vivante, c'est-tu elle qui t'a fait passer? Non, avec Vivante, t'as comme pas passé plus loin dans Zénith. C'est ça? Et je l'ai pas vraiment bien rendu, fait que je me reprends à soir. Mais tu sais, nous, on élimine personne. Je suis pas très satisfaite, là. Hein? Nous, on élimine personne à Jump Ton Top 3. Non, je sais pas, mais moi, je veux être meilleure que ce que j'ai donné à TV. Non, j'avais les genoux qui cognaient ensemble. C'était ma première tourne, ma première apparition. C'était le premier show. On est le 8 janvier. Je digère encore ma tourtière. C'était trop tôt, là, tu sais. Je comprends. Fait que quand je l'ai faite, j'étais pas en plein contrôle. Puis là, à soir, j'ai un verre de vino. C'est une autre affaire. C'est une autre affaire, ouais, ici. Là. Ici, on est un peu comme des vieilles pantoufles. Là. On est bien. Oui, c'est on maison. Est plus confortable, puis ça pue. Exactement. C'est ça, oui. Il y a une petite odeur quand même. Là. C'est la mop est due, là. Parlez à l'équipe d'énergie. Mais mais une petite odeur là, de sûr. Ouais. Mais je vois. C'est n'importe quoi. C'est parce que toi, tu pensais que genre. Des fois, je déconne puis je vois juste les gars faire comme. Non, là, c'est une blague. Là. C'est comme... Oui, on le sait. Là. Toi, tu pensais qu'il fallait passer à mop, mais moi, je parlais exact. De toi. Là, ah, c'est moi qui pue, ouais, c'est vraiment. Ça. J'adore. Ouais. C'est pour ça que je me tiens loin. Là. Non, mais je voulais pas genre non plus mentionner le fait que tu avais été. Genre, comme tu n'as pas été plus loin dans Zénith avec France, mais on l'a refait. Avec toi ici, puis nous aussi, on a eu, disons, les chocottes en la faisant avec elle, à Juste pour rire. Oh, wow. Il y a deux étés, puis je dois t'avouer que c'est été, moi, pour ma part, je vais vous parler pour le Ben, mais je pense aussi très stressant c'est de jouer stressant, avec France. Elle est tellement hot. Mais vraiment, mais. Cobra, genre là, puis il est tellement hot. Non, elle était intimidante. Fait que la seule fois qu'on a joué cette tune-là en show, c'était avec elle. Fait que je suis content de la refaire avec toi. C'est plus lousse, justement. Il y a de quoi on s'amuse. Tu sais, t'as France d'amour qui l'a joué 107 000 fois. Hey, ça l'a mis sa map. Ça l'a mis sa map. J'ai des fun facts. France d'amour, ça a été la tune. Oh non, c'est pas vrai. 1,5 million d'écoutes sur Spotify, quand même, cette chanson-là. Veux-tu que je te dise, le réalisateur qui a réalisé la série Mégantic a aussi réalisé le vidéoclip Vivante de France d'amour. Wow, tout est dans tout. Il a commencé comme ça, puis voilà. Mais il sait pas que je chante. Pour vrai, c'est sa première gig qui a comme explosé, ce vidéoclip-là. Oui, exactement. Oui. C'était quoi le clip, déjà, de Vivante? Ben, sûrement qu'elle se rappelle-tu motel, de ça? Là, dans le bois. Ils sont dans le bois, puis elle chante, puis c'est un peu genre dans filmé... Clips, ça, faudrait le réécouter. On le fait-tu tout ensemble? Moi, je m'ennuie de...
Hey, mais si vous voulez voir l'autre Julie, genre une autre affaire, OK? Parce que là, je check les paroles, là, j'ai chanté dans la brume, les bars, puis là, tu sais, ça, c'est ma vie que j'ai pas vécue, dans le fond. Mais que t'aurais aimé. Que j'aurais aimé, mettons. Mais dans la série Portrait Robot, OK, qui est sur Club Illico, je joue c'est une vrai? Junkie. Vous pouvez pas me reconnaître physiquement, là. Genre, j'ai les dents pourries, on a le make-up, tout ça, ça prenait 2 heures de transformation. Puis, je suis allée visiter, moi, des pioles, des gens qui se piquent. Très rock, le ça, là. Très rock. J'ai embarqué avec les policiers, j'ai passé une nuit dans Schlaga à visiter plusieurs endroits. J'ai vécu là 7 ans, c'est un peu... une nuit dans Schlaga. C'est en onde là. Fait que ça, c'est un autre Julie, mais il y a un petit fond, tu sais. Ben mais je me serais pas rendu eux, là. Mais eux, ben non, j'imagine qu'ils ont, mon Dieu, on plaint les gens qui se rendent jusque-là, mais n'empêche, ils t'ont amené dans des places genre trash. Oui, mais moi, je capotais parce que les policiers sont comme, OK, embarque, parce que moi, j'ai dit, je veux rendre hommage à ces gens-là, je veux pas... être cliché puis caricaturer une affaire parce que clairement je me suis jamais piqué dans la vie, c'est pas ça mon rythme de vie. Moi je fais des demi-marathons, mondes, tu sais. Fait que ils ont dit embarque avec nous autres, puis là la première piole, la première adresse, ils ont dit ben rentre. Ils t'ont envoyé là de même. Je suis comme non. Il y en a un en avant de moi, un arrière de moi, puis on fait un sandwich, puis ils sont comme ben de quoi t'as peur? J'ai ben j'ai peur qu'il y en a un qui me pique, c'est sûr. Je comprends. Puis finalement c'est les gens les plus sympathiques. OK. On a eu du fun. Ils habitent dans un schlag. Oui, moi aussi, quand j'y étais, on était full nice. Ce ne sont pas tous des piqueries dans un schlag, mais j'ai jamais osé en 7 ans de rentrer d'une piquerie. Mais parce que c'est clair, là, sont où, là? C'est, tu non, le sais, là. C'est pas tant clair. J'ai fait le show à plusieurs adresses, honnêtement. Ouais. Oui, puis les gens, quand j'arrivais, puis que moi, j'avais peur, puis je longeais les murs, les policiers étaient comme hey, « salut, salut », puis les gens étaient juste contents de les voir parce que c'est rassurant aussi pour ces gens-là. Puis tant que tu touches pas à leurs affaires puis ils se sentent pas menacés, c'est les gens sont tellement « peace ben ». Puis oui. Ils vivent leur petite vie tout seul, puis ils ont eu des obstacles dans la vie, puis c'est des choix qu'ils ont fait, puis whatever. Mais genre, moi, je suis métamorphosée de ça complètement, là. Ah ouais? Ouais. Quelle sortie incroyable. Oui, je pensais pas vivre ça, mettons, là. 2-3 nuits de cobra, ça s'appelle, puis moi, j'ai un tatou de cobra, tout est dans tout. Wow! On conseille pas ça comme sortie familiale. Si tu imagines à côté d'un junkie, là, toi, tu fais quoi? Ah, oh, moi, je fume des bosses de cigarettes à terre, toi. Pas la même c'est chose. C'est un petit peu plus trash. Non, c'est une autre affaire. Non, mais j'ai apprécié vraiment. Belle immersion. C'est pour le rôle, vraiment. Tu trouves-tu que ça t'a aidé ou... Mais je ne l'ai pas vu, mais c'est sûr que, mettons, il y a des images que j'ai en tête que je dois oublier. Okay. Puis que c'est dur pour moi parce que des fois, ça revient. Les policiers sont habitués à ça. Moi, je ne suis pas habituée pantoute. Fait que c'est vraiment... C'est traumatisant. Ceci dit, ces gens-là, je leur souhaite que du bien. Fait que ça a changé mon jugement, en fait. Ouais, ouais, ouais. Au lieu de les ignorer, puis de passer tout droit ou pas donner d'argent, ou ça a complètement changé ma vision des choses. Puis je pense que ce rôle-là, parce que moi, j'avais dit aux policiers, c'était un Oscar ou rien. Mais je voulais être proche de la réalité. Ouais, ouais, ouais. Puis je pense, tu sais, je me suis pas vue, j'ai pas vu le montage, mais je reçois des témoignages de gens qui me disent que... C'est ça se peut, mon enfant. Mais c'est vraiment bon, Portrait Robot, pour de vrai. Là, j'ai pas vu, moi, encore. C'est vraiment bon. Moi, je l'écoute pas, les parents de ma blonde l'écoutent, puis apparemment, c'est... Ouais. Je l'écoute pour de vrai. Non, j'en ai écouté. Non, mais ça donne vraiment envie de l'écouter. Ouais, vraiment, j'ai hâte de voir. C'est une bonne série. C'est, pour de vrai, là, c'est excellent comme série. Puis ça, c'est le même réalisateur que Mégantic. Tout est dans tout, mais lui, il a réalisé Vivante de France d'amour. Parlant de Vivante. On va finir... Ton set, déjà, yes. C'est déjà la dernière chanson. Yes, là, j'ai avec envie cette de me donner, je pense, je cale mon vino, on s'éclate, là. Pouvez-vous vous lever? Cale, tu sais, chanter quelque chose? Pour la dernière, on veut un crowd de bout. Enlevez vos chapeaux de cowboy, come on, là. On veut voir tes cheveux, yes! Dernière chanson de Julie Ringuette. Bien heureux de t'avoir su, ma chum. Peut-être une petite surprise après, là. C'est pas fini tout ça, mais c'est... Ta dernière chanson que tu as choisie. Oui. France d'amour avec Vivante à Jam, ton top 3, interprété par Julie Ringuette. Faites du bruit, tout le monde! Comme en énergie! Et pas gêné, vous pouvez la chanter si vous la connaissez! J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, j'ai dormi à la pleine lune dans mon caisse de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des milliers à des chansons qui provoquent des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Des motels à 10 $ avec des murs en carton.
de chanter à tue-tête ce que j'avais avant. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais avant. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Pour me garder vivant. J'ai roulé mon rêve et j'aurais de mille. Mon père aurait vivant. De chanter à tue-tête ce que j'avais d'avant. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais d'avant. Chanter comme une bête pour me garder fortement. Toute l'équipe.